savez à quel Peugeot les geeks ne peuvent pas conduire? Personne, sérieux? Personne, sérieux. Mais la 404? Putain, la 404, c'est énorme. La 404, parce que... 2020, la culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. Trafic, assassinat, mafia, face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. Une brigade du livre nommée GIPL. Harlock, Orion, Madel et Kirk font partie de cette unité d'élite. C'est la plus grande ville des États-Unis après New York City. Elle est située dans le sud de la Californie, sur la côte pacifique. Les Américains l'appellent souvent par son diminutif. Captain, il récite Wikipédia. Non, non, pas du tout. Tu te prends pour Welbeck? Maïté? Non, je suis plus beau. Alors tu me prends pour un bleu? Non plus. Orion, sécurise les lieux. On reprend en Lignac. Où est L.A.? Je vois pas de qui vous parlez. L'autre, bordel. Le show avec le bouc? L'autre autre, bordel. L'autre autre trop? Kilk, fais quelque chose. Captain, si on lui pète les dents maintenant, il risque pas de parler. Refus d'obtempérer, brigadier. Charles de Beng, ok. Qu'est-ce qui se passe? L.A. James, vous êtes en état d'arrestation. Qui? C'est L.E. James, capitaine. Qui? C'est E.L. James, capitaine. Qui? Elle commence à me courir le haricot avec ses putains d'initiales de merde. Erika Leonard, fille de Nimoy et Herbert. Rends-toi, ton compte est bon. Mais ça veut dire qu'elle a deux papas? Comment ça, deux papas? Mais Herbert Léonard plus Léonard Nimoy, ça fait deux papas. Et alors? Oui, qu'est-ce que ça peut te foutre, le freluquet? Putain, comment elle m'a appelé? Gary, défends-moi! Gary ne fera rien! On t'arrête pour abandon de style, usurpation de personnage et trafic de drogue. Abandon? Comme un chien sur une aire d'autoroute. Ton niveau d'écriture est digne d'un collégien déscolarisé. Dur, ça. Physique même. Non, mais j'ai une écriture visuelle. Ah, l'écriture visuelle, l'excuse de tous les lévistes. Cinématographique, alors. C'est vide, L.A. Ton livre est creux, plat. Y a rien à bouffer, encore moins à baiser. Un vrai désert stylistique. C'est presque un exploit. Non, mais c'est mon style. Le rien, le trou noiriste. Non, mais je ne suis pas écrivaine! Enfin, des paroles sensées. Passons à la charge suivante. Usurpation de personnage. T'as recompé ceux de Twilight. Pur plagiat. Encore? Encore? Ouais, je suis en partie d'accord. Toute cette tension sexuelle qu'il y avait entre Bella et l'autre manche à balai, là. Le « je te suce, je te suce pas ». J'étais fan. Mais frustrée. Il fallait que quelqu'un le fasse. Tout le monde attendait que ça. Et vendanger ça dans une scène où il pète le lit, on méritait mais mieux. Carrément, mais carrément. Je ne sais pas, moi. Un petit coup de rein, un morceau de chair. Ou les fesses de Robert Pattinson. C'est bon? Vous avez terminé? On peut continuer? Modèle? Puisqu'on cause de fesses, parlons de l'arnaque au cul. Ça te chante? Tu sais ce que c'est le BDSM? Je sais pas. Le BDSM, c'est pas un truc de midinette qui s'inspire de vampires efféminés. Ou qui insère des mots crus qu'on trouve dans le dictionnaire des cochonneries ou dans les bouquins de la collection Oser la sodomie. La soumission, c'est pas non plus du harcèlement. C'est pas de l'isolement. C'est pas le règne de la terreur. C'est une envie. C'est une excitation. C'est du partage. Et c'est surtout un putain de consentement. Erika James, pour le bien de l'humanité, je vais t'apprendre ce qu'est l'amour déesse. Je peux? Oui. Lâche! Ah. Vas-y, lâche! Ah oui! Non, lâche pas ça! Ah! T'en veux? Oui! Tiens! Oui! T'en veux encore? Oui! Et non! Aïe! Couché, mets-toi couché! Couché, je te dis! Oui, ah! Allez, va chercher! Oui, madame! À quatre oui, pattes! Oui, madame! Aïe! T'es chaude comme une baraque à frites, hein? Ah oui, je suis chaude! Dis-le plus fort! Je suis chaude! Tiens! Ah! Non! Oui! Ne lâche pas ça, je te dis! C'est dégueulasse! Tout doux. C'est bien petit, c'est bien. Enfin, je vous retrouve, Vermine.
C'est quoi? Ça se mange? C'est de la nave. Mais ça sous-scellé. De la nave?